On est en train de lancer une démarche d'amélioration continue sur un périmètre multisite et multiculturel. Et on vient juste de lancer cette démarche lors d'un séminaire au Brésil qui correspond pour nous à environ un quart de notre périmètre industriel. Donc un poids important dans notre paysage industriel. Cette démarche vise pour nous deux choses, une performance économique à court moyen terme qui permet de financer une démarche plus globale de changement de culture et d'augmenter notre capacité à s'adapter au marché et aux différentes variations de marché et aux différentes variations culturelles en fonction des pays. Et c'est sur ça qu'on parie sur le long terme, tout en étant conscient que les résultats économiques sur le moyen terme vont être le moyen de financer cette démarche globale. Le choix de travailler avec Quaterner était basé sur deux critères. Le premier, on a une expérience test qui a été montée sur un de nos sites en France il y a deux ans et demi, qui a été un succès. Donc c'était un premier élément de choix et de décision pour élargir la démarche. Le deuxième critère, c'était la capacité de Quaterner de travailler en réseau avec des partenaires locaux sur l'ensemble des continents où nous sommes présents. Et nous tenions absolument à avoir affaire à des consultants locaux pour l'ensemble de nos usines à l'international pour que l'aspect culturel ne soit pas un risque d'échec de notre déploiement.